Bonjour Facebook, bonjour de bon matin aujourd'hui. Il est 7h moins 5. Donc défi live du jour, matinal, aujourd'hui pour vous souhaiter de passer une excellente semaine. J'ai eu l'idée de faire ce live parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent le lundi matin, leur début de semaine. Avec des échanges du style, moi, comment ça? Comme un lundi, quoi. Ils sont crevés en commençant la semaine. Alors, je me suis dit, eh ben, moi, c'est pas du tout mon cas. Alors, je vais justement vous transmettre cette énergie de bonheur de commencer mon lundi matin, de bonheur de commencer ma journée. Alors, j'ai commencé aussi tôt parce que je me suis réveillée naturellement à 5h15 ce matin. J'ai pu prendre le temps de faire mon Qigong. Coucou, bienvenue, je vois qu'il y a un petit œil qui arrive. J'ai plus le temps de faire mon Qigong, de faire une méditation, de faire un premier poste. Voilà où j'ai pris conscience que finalement l'heure d'été, c'était peut-être pas si mal. Parce que quand il est 6h au soleil, enfin quand il est 6h sur notre pendule, il est 4h au soleil. Donc ça fait un peu tôt 4h quand même. Peut-être, bon, ceci dit, on pourrait aussi changer le fonctionnement et se caler aux heures du soleil. Donc évidemment, de bien commencer la semaine, bah évidemment c'est important, parce que sinon on arrive à la fin de la semaine, on est raplapla. Et puis, quelle énergie on transmet le matin quand on est en relation avec d'autres personnes, alors que ce soit en tant que salarié, avec les clients ou avec les collègues ou avec les personnes avec lesquelles on interagit. Qu'est-ce que ça donne de commencer un lundi matin en étant déjà avec les batteries vides? Et qu'est-ce que ça peut donner de commencer avec les batteries déjà pleines? Et bien évidemment, ça ne va pas du tout être la même chose. Alors, je vais être honnête avec vous, ça n'a pas toujours été le cas de commencer mes lundis matins dans cet état de vitalité, de santé, de bonheur, de gratitude, d'amour. Ça n'a pas toujours été le cas et j'ai travaillé pour ça, j'ai fait des choses. Hein. Je vous ai fait un post hier justement sur le faire et l'être parce que ça a été une grosse difficulté pour moi il y a plusieurs années de comprendre que pour avancer dans ma vie, j'avais besoin d'être plus. Mais je ne savais pas quoi être plus. Parce que, bah. Voilà, je suis une personne qui a grandi dans le faire, le faire, le faire. Il fallait toujours être occupé, il fallait toujours être à faire quelque chose. J'avais pas le droit de me poser dans un canapé à rien faire, justement, c'était pas possible. Donc, ça a été tout un cheminement, en effet. Et puis, il y a eu aussi d'être aidé, d'accord, par des pratiques à mettre en œuvre, par des praticiens aussi qui ont permis sur mon organisme de changer des énergies, de faire que ça circule mieux, de libérer des choses aussi. Bonjour, je vois qu'il y a du monde qui se connecte, bienvenue sur le live matinal. Donc ça se fait pas forcément tout seul, d'accord? Donc c'est important de prendre conscience aussi que bah, si vous le lundi matin c'est un peu oh là, la barbe, voilà, bah, vous pouvez changer les choses. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire pour être en forme le lundi matin, pour être content, contente de commencer sa journée et de commencer sa semaine, pour profiter pleinement des heures qui nous sont données. Rappelez-vous, là, une petite pensée, hein, au frère de Niki. Voilà, il y a des personnes qui ne vont pas se réveiller ce matin sur Terre. D'accord? Il y a plein de personnes qui ont décidé de quitter la Terre. D'accord? Et donc nous avons la chance ce matin d'être encore vivants sur Terre et de pouvoir encore profiter de ces belles journées, de pouvoir profiter. Alors, je vais vous montrer là, ah, le soleil, voilà, qui arrive par la fenêtre. Alors j'ai pris une photo tout à l'heure, je vais vous la partager, elle est faite sans effets spéciaux. Et je vais ouvrir au chat qui miaule, voilà, salut le chat. On a, nous, la chance d'être en vie, d'être présent sur Terre, de pouvoir profiter de tout ce qui nous est donné par l'environnement,
pouvoir faire le plein d'air, de pouvoir faire le plein de soleil. Voilà, profitons-en, soyons heureux, soyons réjouis de ces choses-là. C'est quelque chose que voilà, je cultive au fur et à mesure et je vous invite vraiment pour votre santé, pour votre bien-être, pour le vôtre, pour celui des personnes qui vous entourent, d'apprendre à cultiver si vous ne savez pas le faire encore. Et oui, cultiver le bonheur, cultiver la gratitude, cultiver l'amour au quotidien, c'est quelque chose qui peut se faire quand on ne le fait pas naturellement, parce que on a grandi dans un environnement où ce n'était pas le cas, où ce n'était pas le cas des personnes qui nous entouraient, d'avoir cette attitude, cet état d'être. Donc, on peut apprendre après, c'est comme tout, ça s'apprend. Voilà, et puis, je vais terminer la vidéo. Regardez mon orchidée, voilà, ta-da-ta-da. Il reste encore 2 fleurs à ouvrir. Voilà, belle orchidée qui a superbe couleur et qui a fait 7 fleurs, contrairement à la branche précédente qui en avait fait 5, ce qui était déjà une belle branche, et là je vais en avoir encore une encore plus belle. Voilà, et écoutez, je vous souhaite un très 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 bon lundi, une excellente semaine. Il va y avoir une super pleine lune en plus demain, je crois. Donc profitez bien des énergies de la lune qui vient pour nous aider à nettoyer, à laisser partir tout ce dont on n'a plus besoin. Elle est là, elle va être grande, ronde, grosse, très lumineuse. Elle est là pour nous vous apporter du bien. D'accord? C'est la... comment dire? La façon de voir les choses que j'ai prise il y a quelques années, après avoir subi les aléas en disant « Ouais, non mais c'est la lune, je suis malade, je suis pas bien, etc. » Ouais, non. J'ai décidé de prendre un autre point de vue et que la lune, c'est mon amie. Elle est là pour mon bien. Elle est là pour m'aider. Elle est là pour m'accompagner. Et donc là, super lune qui arrive mardi soir pour nous aider à nettoyer ce dont on n'a plus besoin. Donc je vais la remercier demain soir de venir m'aider à nettoyer tout ce qui m'empêche d'avancer et d'être encore plus moi-même. Très bon lundi, très bonne semaine à tous et à tous. À bientôt.